tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver comme siempre. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo full of eating in convenience store. Je vais commencer par le Family Mart. Et étant donné que je ne mange pas de petit déjeuner, on va directement commencer par le lunch. So let's go. Concernant le rayon pâtisserie, alors là vous êtes servi, vous en avez de toutes sortes, de tout type. Mon mari aime beaucoup cela. C'est une pâtisserie qui est quand même assez connue ici au Japon. Moi mon préféré ici c'est celui-ci. Il est trop bon. Il y a également celui-ci au matcha. Là vous avez les plats. Par exemple moi je pourrais même prendre celui-ci. Ça j'ai jamais testé parce que généralement il y a beaucoup de viande. Par exemple ici on a meat and cheese. Là on a du hot dog. Là on a du fromage. Vous voyez c'est assez spécial. Mais c'est pas du tout dans les frigos. Là c'est le rayon mini épicerie. Vous pouvez acheter votre curry, vos œufs, vos sauces, vos huiles. Enfin voilà, les boissons japonaises, elles sont délicieuses. De ce côté vous avez les snacks. Un peu spéciaux j'avoue. Des goûts assez particuliers. Ici c'est le rayon chips. Et moi ce que j'aime vraiment c'est ceux-là. Il y a également avec du seaweed. Et c'est au roux. Je sais pas si vous connaissez, c'est ça. Ensuite ici on a tout ce qui est nouilles. Vous prenez et vous remplissez là-bas. C'est ce qu'on va faire dans quelques instants. Dans les frigos vous avez des plats surgelés, obviously, avec des glaçons que vous pouvez remplir comme en Corée. Et là vous avez les onigiri. C'est ce qu'on prend quasiment tous les jours. Il y a différents goûts et c'est trop bon parce que c'est vraiment bien cuit, bien travaillé avec de la sauce qui est spicy, etc. Vous avez au poisson, vous avez à la viande, vous en avez au thon. Je pense que je vais prendre ça et un onigiri. Ouais, ça va le faire. Manger au combini, c'est pas si cher que ça. Ça peut revenir cher à force de manger au combini. Ce qui peut ne pas revenir cher, c'est faire ses courses. Vous avez besoin d'un thé chaud, de l'eau, d'eau chaude, de serviettes, de papier, etc. Tout est mis à votre disposition ici. Vous avez également la possibilité de retirer de l'argent sans vraiment de frais. C'est ici. Il faut venir dans un combini pour retirer votre argent. N'allez pas dans les bureaux d'échange, ne faites pas ça non plus à l'aéroport, etc. Vraiment, c'est une arnaque. Faites ça ici dans un combini. C'est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Comme vous l'avez vu, vous pouvez acheter n'importe quoi comme protéines, du thon, du saumon, du poisson, crabe, des crustacés, des fruits de mer, snacks, des chips, du chocolat, des ramen. Si vous ne mangez pas de viande, vous ne mangez pas de porc, il y a des plats préparés végétariens au poisson et c'est pas très cher. Et alors quand vous payez, on vous donne souvent des couverts, des baguettes, on va donner des mouchoirs ou une paille. Et ce jus là, si vous voulez des vitamines, juste être d'attaque pour la journée, c'est ça qu'il faut prendre. Il est délicieux et on sent pas forcément les légumes, on sent plus l'orange. Ce que j'ai également oublié de vous dire, c'est qu'il y a toujours un petit espace où vous pouvez manger. Il y a également des toilettes dans quasiment tous les combini. Après ça dépend, pas dans tous, mais dans la plupart il y a des toilettes. Et j'en ai même vu avec une douche. Vous payez votre douche et ensuite vous sortez. Je pense pas que j'essayerai, mais voilà, pour ceux et celles que ça intéresse, il y a des douches dans les combini. Qui dit chaleur dit promenade dans un parc, évidemment, pour se ressourcer. C'est un parc qui se trouve près de Sumida River. Waouh! Regardez les japonaises qu'ils ont fait. Ils ont pas de cadenas, du coup ils ont mis ça juste en face de la skate. Adepts pour digérer. Là on est à Asakusa. Je suis venue près de Orange Street, plus précisément au Don Quixote. Je continue mes derniers achats, même si Hussein est au bout de sa vie parce qu'on n'a plus de place. Parce que juste après on va aller au Lawson. Étant donné que ce matin on a fait Family Mart, je me suis dit que je vais tester le Lawson pour le soir. Et ensuite je testerai un 7-Eleven après pour
les snacks du soir, etc. J'en profite également pour vous dire qu'au Don Quixote, tout est tax-free. Donc n'hésitez pas à acheter tout ce dont vous avez besoin ici chez Don Quixote parce que vous avez tax-free. En plus de ça, ils font de bonnes réductions. Ils regroupent les lots, par exemple, des plus vendus ici au Japon et ils font un petit pourcentage. Donc c'est toujours intéressant de venir chez Don Quixote pour la troisième fois. Le sac est archi lourd et je vais cacher le sac. Je vais faire comme si en fait il existait déjà et qu'il l'avait jamais vu, parce que franchement sinon ça va pas être possible. Il va me faire encore toute une histoire sur la place et tout, donc voilà. Mais je me suis fait énormément plaisir, je suis trop contente de mes achats. Je pense que je vais changer de lotion. Oups, sorry. J'étais confrontée avec la police. Je pense que je vais changer de lotion parce qu'il est trop petit et il n'y a même pas d'endroit où manger. Regardez le restaurant qui est derrière moi, comment il est trop beau. C'est trop joli. Les gars, je suis trop contente. Il n'est pas là, mon mari. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai directement tout mis dans la valise. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prier. Et ensuite, on se retrouve pour le lotion. Malheureusement, je ne peux pas manger au Combini. L'espace cafétéria est fermé après 22h. Par rapport à la boisson, j'ai pris cette boisson-là. C'est une boisson au matcha que je prends tout le temps. D'ailleurs, petit tips, au Combini, elle coûte super cher, dans les 160 yens. Mais chez Daiso, elle coûte 100 yens. Franchement, c'est un petit tips de fou. Je vous ai économisé 70 yens. Là, j'ai pris des nouilles de riz avec des scampis, des petits brocolis, des carottes, des œufs et des petits champignons. On va goûter ça tout de suite. En fait, ce que j'aime dans les plats des Combini, c'est que même si c'est un plat qui est préparé, il est toujours super goûtu, toujours super de bonne qualité, les ingrédients sont frais. Par exemple là, la scampi que je viens de manger, elle est hyper fraîche, hyper bonne. Ça n'a rien à voir avec nos plats préparés à nous. Ça a vraiment le même goût que quand on le commande au restaurant. On sent l'huile de sésame, les légumes sont hyper frais, ils sont super bien cuits. Et en plus de ça, l'assaisonnement est super bien fait. Pour combien? Je l'ai payé 470 yens. Je vous mettrai le prix à l'écran, mais c'est rien du tout. Et avec ça, je vais être calée. Ainsi qu'avec ma protéine. Cette fois-ci, j'ai pris du... Ah, j'ai pris du saumon. Oh là là, je me suis renversée dessus. Maintenant, je vais sentir le saumon. C'est totalement normal d'avoir ce genre de choses parce que le Combini, c'est fait justement pour vous dépanner. Donc, franchement, avec une qualité de saumon comme ça, il est parfaitement cuit, hyper bien assaisonné. Il est juteux à souhait. Mais vraiment à souhait. Trop bon. On va passer maintenant au dessert. Il y a écrit ici que c'est un cheesecake. Il y a écrit Neko Neko cheesecake. Est-ce qu'on commence par le matcha ou ça? Matcha. Il a l'air trop bon. Vraiment c'est bon. C'est trop bon. Il y a du matcha. Et à l'intérieur il y a des pépites qui sont un peu plus dures. Qui croquent comme ça. On dirait du peanut. Je sais pas trop en vrai. Trop mignon. Trop mignon. Les Japonais sont trop forts pour ça de toute façon. Ok. C'est un trop gros morceau ça. Ah, j'aime pas. C'est un vrai cheesecake. Mais je pense que j'aime pas le cheesecake. Ça va, t'aimes bien? Pas bon? Bah voilà, personne n'aime en fait, on n'aime pas. Chips, ox, algues. Bref, je pense que la vidéo est suffisamment longue comme ça. Je vais vous laisser, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, ça me ferait énormément plaisir. De partager si vous le souhaitez également. Et nous on se dit à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut !